Nourdine Bihri, vice-président d'Ennahda, arrêté vendredi en Tunisie, a porté plainte contre le président Kais Saied et le ministre de l'Intérieur pour kidnapping. C'est ce qu'a rapporté la défense de l'ancien ministre de la Justice. En réponse, le ministre de l'Intérieur tunisien assure que cette arrestation n'est pas politique et en révèle finalement le motif. Il existe des soupçons graves de terrorisme dans le dossier. Il fallait que je sois à la hauteur de la responsabilité pour sauvegarder la sécurité de la Tunisie. L'ex-ministre préoccupe d'abord par son état de santé, son parti l'a annoncé en grève de la faim. Nourdine Bihri refuserait aussi tout médicament, alors même qu'il est atteint de plusieurs maladies. Ce lundi, la famille Bihri décrivait cette arrestation comme un kidnapping politique. Ce n'est pas une résidence sous surveillance, c'est un lieu secret. Il existe donc des lieux secrets où les personnes kidnappées sont gardées. On pensait qu'après la révolution de 2011, on en aurait fini de tout ça. Mais selon une délégation de l'instance de prévention de la torture et du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Nourdine Bihri est hospitalisée depuis dimanche sous surveillance rapprochée en cardiologie à Bizerte, dans le nord de la Tunisie.